Don't let's depart to the moment. Tom Medina, c'est l'histoire d'un jeune homme qui arrive en Camargue, qui est envoyé là sans doute par un juge, qui arrive là pour travailler avec un gardien, interprété par Slimane Dazi, qui s'appelle Ulysse. Et ce gardien va apprendre à Tom à vivre en Camargue, à s'occuper des chevaux, il va essayer de le remettre sur le droit chemin, comme on dit. Et il va aussi comprendre qui est cet enfant. Ulysse ayant lui-même perdu un enfant. Et Tom là va en effet commencer à maîtriser son destin. Il va rencontrer Suzanne et il va se réinventer en quelque part par la Camargue. Et il va devenir peut-être enfin lui. La préparation, comment elle s'est passée? Elle s'est passée plutôt pendant l'hiver, en octobre, novembre, là-bas en Camargue. Je devais apprendre assez vite. Une des premières choses, c'était apprendre à monter à cheval et à galoper et tant d'autres choses. Mais dès les premiers jours, pour apprendre, j'étais au milieu d'une quarantaine de taureaux, donc j'avais pas intérêt à tomber. Et j'étais avec des jeunes gens, beaucoup plus jeunes que moi, hein, qui étaient des trieurs de taureaux et des cavaliers extraordinaires. Et j'ai appris à monter à la Camarguaise, qui est beaucoup plus tranquille que l'équitation classique, c'est-à-dire c'est du travail de champ. Il y a une façon de tenir les rênes et de se comporter avec son cheval qui est très différente que dans les petites règles pointilleuses de l'équitation classique, dirais-je. Vous faites quoi avec vos poubelles? On est bénévole. Pourquoi tu jures sur la tête de ta mère? Tu la connais pas. T'as été lâché dans un fossé. Personne m'a lâché dans un fossé, t'as compris? Sansara, dis à ma mère que je sais plus parler sa langue. À quel âge ta fille? On me l'a enlevée. Si tu veux, tu me dis où elle est. Je prends une voiture et je te la ramène, ta fille. Tu veux qu'on la kidnappe? On dirait que tu te régales à tout foutre en l'air. C'était un tournage comme on a envie qu'il soit, c'est-à-dire des expériences de vie et de poésie qui vous laissent pas le choix, qui sont des expériences entières. Vu que ça prend du temps, ce qui est très, très bien, j'ai le temps aussi de lui raconter des morceaux de mon histoire à moi, ce que moi j'ai vu dans mon enfance, ou... Et lui, il a le temps de s'en imprégner, il a le temps de refaire des nouvelles versions, on a le temps de répéter ensemble là-bas, en Camargue. On a le temps de vivre des choses ensemble aussi, de se faire surprendre par des événements, pendant nos répétitions, par des gens, par des musiques. Et tout ça, ce territoire commun, du vécu commun, et j'imagine que pour lui, après, ça fait de la matière à l'écriture, en sachant que... Puis après, il y a le plateau aussi, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est écrit, il y a comment on arrive à se rencontrer au plateau progressivement, et comment on se fait confiance après dans les improvisations. Est-ce que j'arrive à lui proposer? Et ce que je propose est toujours induit par ce que je sens. Enfin, Tony, il faut le comprendre dans les tripes sur un plateau de tournage, vraiment. Pas nécessairement intellectuellement ou dans le verbe, mais dans les tripes, c'est-à-dire qu'il a des images, il a des visions. Il faut essayer de les dénicher et de s'en rapprocher, comme on suivrait un taureau dans des marécages. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.